Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi, pour mes collègues, pour notre université, d'accueillir nos collègues ukrainiens, Tatiana Ogarkova, Volodymyr Yermolenko, pour la séance d'aujourd'hui, qui est inscrite dans un cycle que nous avons appelé ici Ukraine, identité et exil, en partenariat avec le Printemps ukrainien de l'Institut ukrainien de Paris. Et donc, ce cycle accueille toutes disciplines confondues, des philosophes, mais aussi des musicologues, des écrivains, des historiens ukrainiens. Et nous espérons pouvoir poursuivre ce cycle jusqu'à la fin du mois de juin prochain. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner la parole pour la séance de ce soir. Eh bien, on aura non seulement le plaisir de vous écouter, mais aussi de discuter avec vous après vos interventions. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. On est très ravis d'être ici, Très content d'être ici. Dans un endroit sacré, on peut dire, de la vie intellectuelle européenne. Avec Tatiana, je juste nous présente peut-être, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Il y a beaucoup du monde ici qui nous connaissent, en fait. Moi, je suis un philosophe et journaliste. Tatiana est un expert littéraire, en disant, et enseignante à l'université Kyiv-Mohyla, et journaliste aussi. Et donc, on est venu ici pour quelques jours à Paris pour le festival Un week-end à l'Est et pour le festival Le Printemps ukrainien. On habite à Kiev, en fait à côté de Kiev, dans les banlieues Brovary. Et Brovary était aussi. Donc la guerre s'est arrêtée 2 kilomètres de notre appartement. On était en Ukraine pendant toute cette période. Maintenant, on voyage beaucoup dans les villes, dans les villages de l'Ukraine. On va à la ligne de front. On essaie de aussi combiner notre travail d'information et notre travail culturel avec le travail de volontaire. On amène des voitures à la ligne de front. On amène des trucs importants, des choses importantes pour des gens civils aussi. Donc, on combine tout ça, on combine aussi la vie avec 3 enfants qui sont avec nous aussi à Paris. Et c'est un bonheur formidable, c'est vrai. Donc, on va vous parler peut-être on va faire un dialogue parce que on a lancé un podcast qui est animé par Tetiana qui Voilà, donc s'appelle. on va faire un dialogue aujourd'hui entre nous. On va commencer par vous livrer quelques témoignages, quelques histoires sur l'Ukraine, tout d'abord, pour décrire un peu le contexte, parce que c'est ça qui manque sans doute le plus quand on est un peu loin. Quand on est loin de contexte. Ensuite, on va développer bien sûr les questions sur le langage, on va développer les questions sur l'identité, sur ce manque, sur ce silence qui entoure l'Ukraine, sur l'absence en fait de l'Ukraine, sur ce qu'on appelle la carte mentale de l'Europe et pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et sans doute, on terminera par des questions encore plus philosophiques, n'est-ce pas, en essayant d'ouvrir vers les questions géopolitiques et sur la guerre. Donc, en fait, on va traiter de tout. Donc, vous notez si vous avez des répliques, des réactions, vous nous faites savoir parce qu'après, on va s'arrêter à un certain moment. Et après, ce qu'on veut faire, c'est surtout un dialogue parce que avec Vladimir, on parle tout le temps. On s'ennuie à parler tout le temps. On a 3 podcasts pour nous deux. On a un podcast en ukrainien que certains d'entre vous connaissent, surtout nos amis ukrainiens. C'est un podcast sur la culture. Il s'appelle Cult Podcast. Et puis il y a un podcast en anglais qui s'appelle Explaining Ukraine, qu'on a commencé à faire d'une manière très intense avec la guerre, vraiment dans notre valise, comment dire, le kit d'urgence. On n'a pas pris beaucoup de choses, mais on a pris des micros. Et donc, ce qu'on a commencé à faire après le 24 février, on a commencé à enregistrer voilà, ce qu'on voyait, ce qu'on témoignait. On a fait presque une centaine des épisodes à partir du 24 février en anglais, le podcast Explaining Ukraine de notre site Ukraine World. Donc, c'est une petite encyclopédie de cette invasion
pour ceux qui veulent une chronique. Une chronique de voilà, comment on vit. Et le troisième podcast, tout récent, et donc je vous invite après la conférence, il y a des, comment on dit en français ça, les flyers. Voilà, vous prenez ça, il s'appelle Ukraine face à la guerre. C'est en français, il y a un QR code pour avoir un lien et après, voilà, vous pouvez prendre pour vous et aussi pour vos amis, pour les Français que vous connaissez, parce qu'on fait tout pour que le public français sache ce qui se passe. Ce sont des dialogues entre Volodymyr et moi, mais aussi on invite beaucoup de Français. On a enregistré des entretiens passionnants avec des journalistes français présents sur le terrain depuis des années. On a enregistré déjà un entretien avec une diplomate qui était à l'ambassade de France en Ukraine au moment de l'invasion. On a enregistré un podcast avec Alexandra Goujon, grande spécialiste de l'Ukraine que certains d'entre vous connaissent. Sans doute, elle a écrit un livre sur l'Ukraine, etc. etc. Donc, n'hésitez pas après de partager cela. Nous allons bien sûr enregistrer beaucoup d'épisodes pendant des semaines et des mois à venir. Donc, ça sera à vous de nous dire si c'est intéressant et de nous guider. Donc, ça sera un dialogue. La question du langage, alors, c'est dans le titre de ce débat, mais on ne voudrait pas parler des choses sur lesquelles on parle toujours, la langue ukrainienne, la langue russe. Je voudrais aussi aller plus profondément, peut-être dans les questions philosophiques. Donc, j'ai l'impression que pour l'Europe occidentale, l'Ukraine était silencieuse pendant beaucoup de temps. En fait, c'était le silence imposé par, bien sûr, l'impérialisme de l'Empire russe, mais aussi c'était le silence intérieur, en quelque sorte, parce que la douleur de l'histoire ukrainienne, non seulement au XXe siècle, mais aussi au XIXe siècle, ça nous a coupé la parole, il me semble. Et maintenant, on parle beaucoup de cette guerre. Et j'ai eu une expression, je ne sais pas si c'est bien ou mal dit, mais que parler de la guerre, c'est en même temps blasphématoire et un devoir. C'est-à-dire, c'est très difficile de trouver des mots pour parler de la guerre. Et avec Tetiana, on parle avec des gens qui ont perdu leurs proches, notre histoire... Dernière histoire qu'on a décrit, une des dernières histoires qu'on a décrit dans notre podcast en anglais, c'est l'histoire de la fille qui s'appelle Rita, qu'on a trouvée à la village Bezru, qui est 15 km de la frontière russe, à la région de Kharkiv. Et la fille de 8 ans qui a perdu sa vie en lisant un livre à côté de sa maison. Et on a parlé avec sa grand-mère qui a perdu en même temps, le même jour, sa fille et sa petite-fille. Et c'est très difficile de parler parce que c'est absolument... Quand tu parles avec cette femme, t'as l'impression que... C'est une invasion dans cette vie et dans cette douleur, mais et tu ne trouves jamais des mots. Donc c'est impossible de trouver des mots pour décrire ça. Et elle-même, le dialogue avec elle, c'était, elle a répété comme un refrain. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous rien dire. Et bien sûr, elle pleurait tout le temps. Et on raconte cette histoire tout le temps parce que tu as l'impression que c'est blasphématoire de trouver des mots, mais parce que la réalité est énorme et c'est dépasse tous les mots. Mais de l'autre côté, c'est un devoir parce que si on ne parle pas de ce mal, si on ne parle pas de ces tragédies, alors personne ne sait, personne ne va savoir. Et notre histoire avec Holodomor, par exemple. Demain, c'est l'anniversaire de Holodomor. On va aussi parler à la librairie polonaise et on va toucher ce sujet aussi. Ça aussi montre de quelle façon le silence sur le mal le reproduit le mal. Oui, donc voilà ce silence qui est là. Donc pour rebondir à ce que Volodymyr a dit, en fait, oui, ce que nous avons compris à partir de cette expérience de la guerre, c'est qu'en fait, il y a des moments où les mots nous manquent.
parce qu'on est souvent interpellé par des médias, par exemple, qui nous demandent, qui nous posent des questions, mais comment est-ce que, comment va le moral des Ukrainiens, qu'est-ce que vous ressentez? Et ben, les médias souvent essaient de vous faire réagir à telle ou telle chose, comment est votre réaction aujourd'hui, après que, par exemple, Peskov avait dit que les bombardements de masse, leur but et leur objectif est de faire une certaine pression sur le gouvernement, sur Zelensky, pour que notre population, pour que les Ukrainiens fassent pression, etc. Et quand on voit ça, moi je suis littéraire, mais il y a parfois les mots manquent, en fait, parce qu'on ne sait pas comment peut-on décrire là, cette réaction. Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est une rage? Est-ce que c'est une haine? On me demande, est-ce que vous éprouvez de la haine envers des Russes? Donc je me pose cette question, qu'est-ce que c'est la haine? C'est le bon mot pour décrire cela. Comment peut-on réagir quand on a, par exemple, quitté Irpin ou Boucha, quand on a vu des chars russes arriver, quand on a vu, par exemple, des voisins se cacher dans les sous-sols? Donc il y a justement cette intensité de l'expérience qui est là. Et après, il y a quand même la difficulté de trouver des mots. Et ce que nous avons remarqué, c'est que c'est vrai, comme cette femme qui répétait en boucle, en fait, elle disait que, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Après, elle disait, mais ça fait, mais c'est beau là, comment on dit ça en français? Ça fait mal, ça fait mal. Il y avait déjà plusieurs mois, ça s'est arrivé le 21 juin. Et nous avions parlé au mois de septembre, donc quand même 3 mois. Et donc, elle pouvait pas, donc elle ne trouvait pas des mots pour décrire. Après, oui. On peut imaginer, on voit d'autres qui ont quitté Lysychansk, Severodonetsk ou Mariupol, donc et après qui trouvent pas de mots pour décrire. J'ai une copine, une amie journaliste qui était à Mariupol au mois de mars encore. Elle est restée jusqu'à, je crois début avril. Et donc, elle était là à Mariupol, à CIG, elle était connue comme journaliste plutôt activiste, comme ça, pro-ukrainienne, avec son enfant de 5 ans. Et donc, un jour, à son ex-mari, il est biélorusse, il était à Kiev à ce moment-là, elle pose sur Facebook une vidéo où il demande à nous, aux gens qui la connaissaient, est-ce que vous avez l'impression que cette personne qui apparaît à telle ou telle seconde, c'est Yulia? Je me jette sur cette vidéo, je regarde et il me semble que bien c'est elle. Mais la caméra est assez floue et qu'est-ce que ça se passe? C'est dans le théâtre dramatique qui a été, donc quelques heures avant les bombardements. Comme vous savez, il y avait des bombardements de ce théâtre-là. Et je suis vraiment dans la certitude, j'écris mon avis à lui et après je me dis est-ce que je dois écrire ou je pense que c'est elle. Et je vois tout un tas de commentaires, il y a un nombre de ceux qui croient que c'est elle, et d'autres disent que non, c'est peut-être pas elle. Et on sait déjà que le théâtre a été bombardé, que des centaines de personnes ont perdu leur vie, et on sait que l'enfant était là. Finalement, creepy end, c'est qu'en fait, elle est réapparue, après, quelques semaines après, c'était pas elle. C'était une autre femme qui la ressemblait beaucoup, avec deux tresses comme ça, peut-être que quelqu'un qui ressemblait. Et après, elle sort. Elle met encore quelques semaines pour sortir de Mariupol, parce que même en étant à côté de Mariupol, elle était inquiétée par des soldats russes. Et quand elle arrive enfin à Zaporizhzhia, je vais oublier son poste, elle écrit « Mais je vais tout raconter, mais je vais tout raconter ». Donc suivez-moi, après je vais tout raconter, après j'essaie de lire, bien sûr je la félicite, etc. On échange d'une manière très, très brève. Et après, je regarde ce souvenir qu'elle n'écrit rien du tout. C'est-à-dire que je sais qu'elle est en vie, qu'elle est saine, mais je me pose la question, mais pourquoi elle n'écrit rien? Parce que justement, il y a parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à communiquer. Et pourtant, comme Volodymyr a bien dit, c'est un devoir que de dire. Et donc, si on a vu des choses, et c'est aussi un devoir pour ne pas rester, passer sous silence cette tragédie, ce drame, cette souffrance humaine, pour qu'elle prenne, pas chair et os, mais pour qu'elle prenne vraiment la forme d'une parole qui est là et qui communique et qui doit être là pour être un appel, en fait, un appel à l'action, n'est-ce pas? Oui, et de l'autre côté, j'ai lu beaucoup de textes, surtout dans les réseaux sociaux, écrits par des gens qui ont traversé des souffrances, qui sont dans la ligne de front,
qui trouvent des mots et qui sont tellement forts, ces mots. Et tu peux pas... Bon, si j'étais quelqu'un de dehors, je dirais que c'était une très belle littérature. Sauf que je ne peux pas dire que c'est une littérature. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça aussi pose la question, quelle est la relation entre la culture et la guerre? Parce que d'un côté, on peut dire que la guerre détruit la culture. Et bien sûr, est-ce que tu peux continuer avec la culture pendant la guerre? Quand tu es bombardé tout le temps. Mais de l'autre côté, on peut poser la question, ok, mais peut-être les plus forts textes littéraires ou je sais pas quoi, les réflexions ont fait au sujet de la guerre, au sujet des meurtres, au sujet des souffrances humaines, à partir de l'Iliade, jusqu'à je ne sais pas quoi. Et peut-être c'est pour ça qu'on aime la ville Kharkiv. On y va très souvent parce qu'on voit la résistance de cette ville qui est sous les bombardements, continue la vie culturelle, qui fait le festival de poésie, de la musique, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est né dans la culture ukrainienne. Qui est vraiment qui va naître dans le cinéma, dans la musique, dans la littérature, dans la philosophie, qui à travers cette expérience, soit il va tomber dans le silence, encore une fois, impossibilité de parler, soit les paroles, la musique et tout ça sera tellement fort que ça va produire une chose absolument extraordinaire dans la culture. Oui, tout à fait. Et l'exemple de Kharkiv, il n'est pas tiré au hasard. Comme vous savez, Kharkiv était vraiment tout près de la ligne du front pendant des longs mois, à partir du début de l'invasion russe et jusqu'à le mois de septembre. Et c'est vrai qu'on était quand même impressionnés quand on est venu pour la première fois. On est venu au mois de juin. C'était voilà, de la sorte que les bombardements étaient vraiment assez fréquents, le jour et la nuit. Par exemple, 12 missiles, voilà, vous entendez des détonations comme ça. Ça, c'est au mois d'août, c'était pas au juin déjà. Au juin, oui, c'était une pause. Oui, au juin, oui, pardon, oui. C'était plus calme. Mais ce qui nous a impressionné, c'est que les réseaux. Kharkiv, bien sûr, était plusieurs, la moitié, peut-être, on ne sait pas, mais la moitié, peut-être plus, on ne sait pas combien de gens ont quitté Kharkiv, mais la ville avait l'air plutôt déserte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation, il n'y avait pas de trafic, on ne pouvait pas avoir des cafés, donc c'était vraiment pas une ville morte, mais une ville très, très réduite. Et on a rencontré justement des gens qui étaient actifs durant tout le mois tous les mois difficiles, mars, avril, qui ont resté dans la ville, et c'était les gens liés à la culture. C'était par exemple, on la cite toujours, Tetiana Pilipchuk, directrice du musée de la littérature qui avait passé par le printemps ukrainien il y a un mois, je crois, Sergi Jadan, bien sûr, Ivan Senin, poète de Kharkiv, aussi connu. Et donc, Gamlet Zinkivsky, l'artiste. Donc tout ce réseau est complété par les réseaux volontaires. C'est eux qui conduisaient des voitures comme des fous. Je ne vais jamais oublier comment ils nous ont mis dans les voitures, ils ont roulé, jamais vu ça, parce qu'ils ont roulé, peut-être, ils ont essayé de rouler à 200 km dans la ville, et on dit, pourquoi vous faites ça, c'est dangereux, ils disent, mais parce qu'on a pris l'habitude, au mois de mars, il n'y avait pas des règles, donc il fallait aller très vite, parce qu'il y avait des bombardements. Et donc c'est vrai que mais pourquoi là, maintenant, il n'y a plus besoin de le faire. Mais, mais là, on a pris l'habitude, on roule comme ça maintenant. Et donc ces gens-là, les gens de la culture, qui... Qu'est-ce qu'ils faisaient au mois de mars? Ils distribuaient de l'aide humanitaire dans les quartiers qui étaient vraiment tout près de la ligne de ligne de front de bombardement comme Saltivka. Saltivka, ce sont des paysages apocalyptiques. Vous avez sans doute vu des photos, mais aucune photo n'est rend cette réalité quand on voit des immeubles de plusieurs étages avec des blessures incroyables.
Et voilà, et donc, et voilà, les gens de la culture ont distribué de l'aide humanitaire à ces personnes-là. Ensuite, ils se sont organisés pour aider les militaires. Et donc, une scène typique de Kharkiv, vous voyez la cour de l'église, par exemple. Une église, Svato-Dmitrievska, de Saint-Dimitri, dans la rue qui s'appelle Poltavski Shlach. Elle est là, cette église. Autour, vous avez, il y a un poète, il y a une directrice du musée littéraire, il y a un musicien, il y a un prêtre. Un prêtre aussi, Igor Isichenko, notre collègue de notre département de littérature à Kiev, à l'université Moïla à Kiev, qui enseigne la littérature baroque et autres cours. Donc il est là avec eux, ils font des repas et ils collectent de l'aide humanitaire pour les militaires. Que ce soit les optiques, que ce soit les gilets pare-balles, que ce soit autre chose. Et chaque 30 minutes, il y a une voiture avec des militaires qui arrivent dans cette cour de l'église. Il y a des militaires qui sortent, qui discutent, qui embrassent tout le monde, qui prennent ce qu'il faut, qui mangent, qui repartent. Donc on voit justement voilà, un lieu culture, église et armée. Voilà, il y a un lieu de rencontre. Et nous, on était étonnés de voir pourquoi voilà, donc les gens de la culture, comme nous, on est civils, donc on ne comprend rien dans les trucs militaires, rien du tout. Mais eux, on a vu que ça avait un certain sens. Et ce n'est pas par hasard que quand nous avons visité les villages dévastés aux côtés de Kiev, comme Makariv, n'est-ce pas, comme Motejin, ce qu'on appelle dans nos villages ukrainiens les maisons de la culture, Budinki Kultury. Vous savez, là où il y a des cours pour les enfants, des cours de musique, dedans, c'est là qu'il y avait des noyaux de la résistance. C'est là que nous avons vu des femmes de 50 ans à peu près. Voilà, jeunes encore et qui, des petites, voilà, des dames qui nous racontaient qu'en fait, les Russes étaient vraiment tout près et c'est elles qui s'en chargeaient d'évacuer des familles avec enfants. Et à notre question, mais comment vous avez fait ? On nous a fait ça avec les bus d'école. C'est-à-dire qu'ils ont pris le courage de rester et d'évacuer. Donc, il faut savoir l'évacuation, ce que ça voulait dire. En mois de mars, ça voulait dire de partir sur un chemin et qui pourrait être bombardé. Donc, malheureusement, il y avait beaucoup de cas. Donc, les maisons de la culture. Et après, on rencontre ces femmes vivantes au mois de mai ou juin. Elles nous racontent qu'aujourd'hui, nous avons un festival. Regardez, nous avons un festival, nous avons telle action, etc. Et la maison telle qu'elle... À Makariv, par exemple, elle porte encore cette blessure d'un grade russe qui est arrivé, qui est semi-détruite, donc il n'y a plus de toit, il y a un immense trou, mais ils font un festival maintenant, donc c'est-à-dire ils profitent pour rouiller. Donc il y a quand même un lien, on se dit, on se posait les questions, mais pourquoi c'est comme ça ? Ce ne sont pas des. Et souvent les mairies, les administrations, elles étaient moins actives que les gens de la culture. On se pose la question, mais c'est quoi la force de la culture que de rester et de se relier à la cause humanitaire et, comme à Kharkiv, à la cause militaire, n'est-ce pas ? Oui, mais je ne dirais pas que les mairies étaient moins actives, tout le monde mais était actif, mais c'est juste ce qui est très fort dans l'Ukraine actuelle, je pense que c'est la force de transformation. Ou même, je dirais, transfiguration au sens religieux du terme. Donc, quand j'ai écrit la thèse ici à Paris, l'un de mes concepts principaux, c'était le concept de régénération, pas l'ingénésie. Donc, j'ai pris cette métaphore du 19e siècle. Là, maintenant, en Ukraine, c'est une réalité. C'est pas une métaphore. C'est ce que tu vis à travers. Et je pense qu'à l'étranger, on regarde Zelensky, notre président, et c'est un surpris de le voir tellement transformé, transfiguré. Il était un comédien, donc il faisait rire quelqu'un qui acceptait sa vision de l'humour. Et maintenant, elle est vraiment quelqu'un d'absolument différent. Mais il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de gens qui se sont transformés comme ça, qui sont devenus quelqu'un d'autre, réellement, qui sont passés pour la ligne de front, qui sont devenus des volontaires, etc. Et là, tu regardes la Russie, tu regardes les dirigeants russes, à partir de Poutine et d'autres, même Peskov. Il n'arrive pas à changer sa tonalité de parler. Il continue à parler avec cette voix idiote sur le téléphone. Donc, ils ne peuvent pas se transformer. Ils ne peuvent pas changer.
Et là, je pense que là, c'est l'avantage le plus principal de l'Ukraine par rapport à la Russie, c'est que cette force transformatrice, transfigurative qui est là, qui donne aux gens de vivre plusieurs vies, je dirais. Oui, en été, j'écris un article pour... comment s'appelait ce journal ? L'Opinion. L'Opinion. Pour le journal français L'Opinion. Moi, je suis secrétaire de Tania, je non, sais non, mais tout. Ça m'a échappé. En été, c'était les vacances en Europe. Et donc, il y avait un rédacteur qui m'a écrit en disant, est-ce que vous... Nous voulions parler de l'Ukraine, mais comme ce sont des vacances, nous voulions opter pour un sujet facile. Alors, pourquoi pas parler de rire ? De rire à un politique, et, étant donné que Zelensky était un comédien, et que comment le rire voilà, existe, et qu'est-ce que nous donne, etc. Donc j'ai réfléchi, et après je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là, très intéressant, et notamment pour le rire ukrainien et pour le rire russe. J'ai écrit ma thèse ici en France sur un parti sur la littérature de l'absurde, sur Daniel Rams. Et donc, sur une époque surréaliste, après qui débouche sur la littérature d'absurde, mais je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que je peux saisir dans ce texte du point de vue littéraire et du point de vue de la réalité qui nous entoure. Et donc là, il y avait, voilà, il y avait un argument que, regardez, ce qui se passe en Ukraine, c'est quand même cette plasticité, je ne sais pas, peut-être c'est le mot est mauvais, mais c'est... La capacité de la société et de la personne, c'est ça de quoi parlait Volodymyr, de la capacité de transformation. Donc nous avons eu un comédien Zelensky, qui était juste un comédien, qui est arrivé au pouvoir. Il nous a dit en 2019 que vous êtes tous présidents. On a déjà oublié ça. Je pense que les Ukrainiens ont déjà oublié ça, mais il a dit ça, que nous étions tous présidents. Et donc, on a bien sûr perçu ça comme une blague à l'époque. Mais après... À ce moment-là, le 24 février, ce que nous avons vu un nombre de gens comme nous, des civils, qui se sont tout de suite cru que voilà, nous sommes les guerriers. Donc ils n'ont pas eu peur de se dire « oui, je suis dilettante, je n'y connais rien », comme Zelensky, il n'a pas eu peur de devenir président, de devenir un homme politique, même s'il était... franchement nul en politique en 2019. Il a accepté le défi, et donc petit à petit, avec une série des erreurs, il est arrivé voilà dans ce qu'il est aujourd'hui. C'est les séries des erreurs, je veux dire, avant le 24 février. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là, que voilà, il y a des dilettants, la société de dilettants qui a imprégné un certain dilettantisme. Qui nous permet... Des amateurs. Des amateurs, voilà. On est tous les amateurs... Qui aiment. Voilà, les amateurs de... Voilà. Et on a vu, c'est dans ce titre-là qu'on a vu des écrivains et des journalistes prendre des armes dans la défense territoriale au mois de février. C'est à ce titre qu'on a vu, par exemple, une volontaire assez célèbre, Lesia Litvinova, les Ukrainiens la connaissent, qui était très actif d'abord dans l'aide aux déplacés internes à partir de 2014, ensuite dans l'aide pour les soins palliatifs. Donc c'est très loin de la guerre, et après elle est devenue militaire aussi. Donc c'est-à-dire que c'est une capacité de changer et d'affronter les réalités avec une vitesse, je ne dis pas incroyable, mais propre, qui correspond à la situation. Et c'est d'ailleurs ça que les Ukrainiens reprochent souvent aux partenaires occidentaux, c'est de rester un peu dans les schémas, d'évoluer bien sûr, parce qu'on voit, un changement énorme en Europe, voilà, donc dans cette perception, ce que c'est l'Ukraine, ce que représente la Russie, mais les changements, la bureaucratie, voilà, les schémas un peu établis, il y a une certaine inertie, donc ça qui irrite en fait les Ukrainiens, parce que parfois, quand il y a la guerre, il faut agir très vite, il faut changer très vite, il faut vraiment se transformer très vite. Et c'est vrai que j'étais choquée, il y a quelques semaines, j'ai dû chercher une photo de Zelensky, j'ai oublié pourquoi. Et j'étais frappée parce qu'on oublie, mais je regarde deux portraits. Lui en 2019 et au bout de 3 ans, c'est une autre personne. J'espère qu'on n'a pas changé nous aussi comme ça.
qu'on arrive à se reconnaître dans le miroir. Mais c'est vrai qu'il y a... Bon, c'est côté physique. Mmh. Mais on ne parle pas que de côté physique. On parle aussi de cette plasticité de la société, dans le sens qu'on n'a pas peur de devenir ce qu'on n'était pas hier. Voilà, c'est ça de quoi je parle. Parlons du langue quand même, de la langue, du langage au sens exact du terme. Il y a une belle phrase, je pense que c'est de Timothy Snyder qui a appelé le régime russe un régime schizofasciste. Donc il y a des éléments du fascisme. D'ailleurs, je ne pense pas que le régime russe est maintenant peut être qualifié comme un régime fasciste parce qu'il est trop vieux pour cela. Donc les fascistes étaient des gens jeunes, agressifs, avec cet esprit de jeunesse, avec cet esprit de nouvelle vie, nouvel homme, etc. Je dirais que poutinisme, c'est un brejnevisme qui veut devenir un stalinisme. Donc, et qui n'est pas très, très, très capable de le faire. Et peut-être que c'est notre chance, parce que c'est vraiment des gens très vieux. Et c'est aussi une différence par rapport à l'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, bon, on peut avoir des sentiments différents par rapport à Zelensky et son équipe. Surtout des gens qui font des choses pas très agréables derrière lui. Mais quand le pays a le président qui a 41 ans, il avait 41 ans, je pense. C'est-à-dire, ça donne du dynamisme à toute la société. Les gens des quarantaines prennent le pouvoir dans les institutions. Les gens de trentaine, de 30 ans deviennent des députés, etc. Donc, plus ou moins, le leadership du pays et la société dans laquelle les gens dans les années 30, 40 sont vraiment le moteur de la société, ils sont en quelque sorte synchronisés. Tandis qu'en Russie, en Biélorussie, la situation est que le leadership devient de plus en plus vieux et ils ne comprennent pas le temps, l'histoire. Je pense juste une petite remarque, que là, le problème, peut-être, ce n'est pas uniquement l'âge, parce qu'on peut être jeune à 70 ans et on peut être assez vieux à 20 ans, donc ça dépend justement de comment la personne est. Mais le problème est plutôt dans le fait qu'en Russie, en Biélorussie, il n'y avait pas de changement de pouvoir depuis des décennies. Donc le fait de pérennité des pouvoirs qui sont toujours là, qu'il n'y a pas de changement, que ça, c'est pour l'éternité, donc voilà, donc c'est ça. Donc avec la jeunesse, mais aussi la capacité de changer, oui. De voir ce qui est absolument normal dans les sociétés démocratiques, parce que c'est une norme, mais là, en fait, on voit, et voilà ta remarque sur qu'ils ne sont pas jeunes, voilà, mais malheureusement, en Russie, il y a suffisamment de jeunes, à part Poutine et les pouvoirs, qui sont assez capables et assez agressifs pour avoir cette idée de Ça c'est une bonne question, parce que la bonne question est, parce qu'on il faut qu'on commence à parler de l'avenir de la Russie, comment déimpérialiser la Russie, et là la question générationnelle, je pense, joue un grand rôle. Mais c'est une autre question. On parle de l'Ukraine aujourd'hui, pas. Et pour revenir à cette idée de schizofascisme, je pense que rappelons-nous toute cette idéologie, toute cette propagande russe sur la langue, que c'est Kiev interdit de parler le russe, à Kiev tu peux être battu à Kiev pour parler russe, mais des stupidités absolument énormes. Kiev reste même maintenant, la proportion de la langue ukrainienne s'augmente, on peut avoir dans le secteur service. La première phrase qu'on entend d'un vendeur est de plus en plus, c'est une phrase en ukrainien, mais pas toujours. Mais quand même, Brovary, notre ville, Kiev, c'est la langue russe est très très présente. Mais ce qu'on observe dans les territoires occupés, disons, on parle de la région de Kharkiv, on est allé aussi à un petit village Kapitolivka pour visiter des parents d'un écrivain ukrainien, Volodymyr Vakulenko, qui est disparu. Donc on ne sait pas, soit elle est emprisonnée, soit elle est tuée, peut-être dans ces tombes de masse d'Izium. Et
Pourquoi elle était abduquée? Donc, pourquoi elle était abduquée par des Russes ou des soldats? Précisément parce qu'il parlait ukrainien, précisément parce qu'il est très ouvert dans ses opinions patriotiques et pro-ukrainiennes. Et ce que les parents nous avons dit, c'est que il était probablement dénoncé par ses voisins qui savaient bien que c'est quelqu'un qui est très pro-ukrainien, qui est un écrivain en ukrainien, en la langue ukrainienne. On a vu dans les à chaque endroit où il y a l'endroit déoccupé, on voit des crimes de guerre, des gens tués, des gens torturés. Maintenant, le dernier chiffre sur Kherson et la région de Kherson, c'est 400, je pense, 50 gens tués, donc torturés et tués. Et on ne sait pas, il y a d'autres qui sont abduqués, etc. Pourquoi ils se sont tués? Ils ont été tués, torturés. Pas spécifiquement parce qu'ils ont parlé ukrainien, bien sûr. Ils pouvaient aussi parler le russe, mais parce qu'ils étaient du côté de l'Ukraine. Ils portaient des signes, des symboles, des drapeaux jaune et bleu. C'est pour cela. Donc, ce symbole, cet élément linguistique, culturel, pour des Russes, c'est un symbole avec qui tu peux risquer ta vie. Et oui, donc là, cette question de la langue, vous vous rappelez sans doute le moment où les Russes ont finalement pris Mariupol. Une des premières choses qu'ils ont fait, ils ont changé la plaque. Et donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre un russe et un ukrainien, Mariupol. Mais voilà, donc ça, c'était comme ça. Ils faisaient ça d'une manière systématique dans d'autres territoires. Donc, c'est pour dire que la langue, elle compte. Et donc, contrairement, voilà, à cette idée que ça n'a pas d'importance, si, ça a quand même une certaine importance. Regardez ce qui se passait. Donc, peut-être ça peut vous paraître banal, mais il faut quand même insister là-dessus. C'est que la Russie avait toujours dit, depuis 2014, que eux, ils protégeaient des populations russophones. Donc, comme c'était dans la Donbass occupée, après Crimée, et après, voilà, même au début, le 24 février, dans le discours de Poutine, c'était quoi? C'était dénazification, démilitarisation. Je crois qu'il y avait aussi sur voilà, le peuple de Donbass, là. Donc, ils ont trouvé un peuple de Donbass, mais les populations russophones. Donc, l'ironie tragique, en fait, de la situation, réside dans le fait que ce sont des régions russophones qui étaient bombardées et qui ont été les premières victimes de tout cela. Que ça soit Kharkiv, que ça soit la région de Lugansk, même si à Lugansk, comme on sait, dans les villages de Lugansk, on parle ukrainien, nous Et avons dans tout. le village de Kharkiv, bien Pareil. sûr. Donc, aussi, donc, ces distinctions-là, c'est déjà, elle est fausse. C'est pas le sujet, parce que dans les villes, on voyait que Kharkiv, là, c'est plutôt russe avant la guerre. Là, maintenant, ça change d'ailleurs. Pareil pour la région de Lugansk. La région de Kherson, on était à Kherson et dans sa région un an avant la guerre, en août 2021. Je me rappelle très bien, on a fait tout un superbe voyage, y compris dans l'île de Djalengach, mais aussi à côté de Kherson. Des localités fantastiques comme Lazournée, encore occupées par les Russes. Et donc là, on voyait de tout, donc il y avait un mélange de tout. Et donc ce sont les russophones, justement, qui sont les premières victimes de bombardements ou de tirs d'artillerie. Et donc, on regarde cela et on se pose la question, mais comment est-ce que, donc quel est l'objectif et comment est-ce qu'ils peuvent espérer attirer, je ne sais pas quoi, la sympathie ou voilà. Donc la Russie est en train de perdre son dernier partisan, s'il existe encore, voilà, du monde russe en Ukraine, parce que justement il bombarde Mariupol, une ville très contradictoire, en fait, puisqu'à Mariupol il y avait du tout. Mariupol, comme vous savez très bien, était capturée par les Russes en 2014, voilà, et libérée assez vite. Et après, Mariupol a passé par une transformation tout à fait intéressante. Mariupol est devenue une ville, j'ose pas dire européenne, puisque quand même,
Mais quand même, Mariupol, c'était une ville ouverte. On l'appelait une vitrine de Donbass. Il y avait beaucoup de modernisation de 2014 jusqu'à 2022. C'était quand même une ouverture. Et donc là, au moment où la ville commence à vivre librement, donc d'être attaquée, c'est pour ça d'ailleurs que les gens de Mariupol n'ont jamais cru que leur ville pouvait être attaquée, parce qu'ils croyaient que ça sera comme toujours. Ils sont toujours sur la ligne du front. Malheureusement, c'est une ville massacrée et condamnée. Et donc, oui, la question de la langue, oui, elle compte. Une petite scène de la devise. J'étais quand même frappée au mois d'avril, au mois de mai. Je me trouve à Brovary. Et dans une espèce de photocopie. Donc je fais la queue pour faire la photocopie et je suis avec mes enfants. Et je vois une femme qui est aussi avec son fils. Et donc mes enfants parlent, ils s'échangent entre elles en ukrainien. Et je vois que ce fils, il essaye de... Voilà, donc il est russophone, il dit quelque chose à sa maman et elle se fâche, elle dit « Mais non, tais-toi, dis ça en ukrainien ». Et donc, je devine qu'elle fait des photocopies de ses passeports parce que sans doute c'est une déplacée, sans doute c'est quelqu'un qui avait passé par une souffrance. Et là, maintenant, je ne peux pas imaginer une scène comme ça il y a un an. Parce qu'il y a un an, tout le monde parlait voilà, le russe. Et donc, elle fait un effort. Donc, mais son fils l'a trahi parce que l'enfant, elle parle toujours la langue qu'on parle à la maison. Il devrait avoir 5 ans ou 6 ans. Il dit, regarde. Elle lui dit à lui, regarde, ces filles-là, elles parlent si bien l'ukrainien. Et toi? Mais ça ne s'impose pas comme ça. Donc, ça devait. Ça, voilà, c'est un peu. Et donc, j'ai vu ça et je me dis, il y a des choses qui changent. Des gens, je peux avoir tort parce que je n'ai pas demandé à la femme d'où est-ce que vous venez et quelle est votre histoire. J'ai juste imaginé ça. Mais c'était clair qu'elle venait de quelque chose de la région sans d'autres russophones. Elle se revient dans une autre région plus sécurisée. Et pour elle, c'était le moment de passer. Donc, elle veut un peu oublier le russe. Elle dit, regarde, elle parle si bien ukrainien. Fais ça. Sans que personne l'oblige. Je n'étais pas là. Il y a personne qui l'oblige de parler ukrainien. Donc, je dis, c'est pour dire que toutes les populations russophones ou en partie russophones des régions Est et Sud, en passant justement par cette expérience que la Russie représente, les a infligées, une expérience absolument inhumaine. Donc, il essaye de passer de l'autre côté. Oui, oui. Et c'est malheureusement que ce passage à l'ukrainien... J'ai entendu Terekhov, le maire de Kharkiv, parler ukrainien sur la radio. C'est très intéressant. Et comme c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parlons de peut-être ce qu'on appelle la culture politique, les traditions ukrainiennes. Ce que me frappe... c'est aussi ce côté local, n'est-ce pas? Donc, c'est cette mobilisation de chaque village, chaque livre. Je me rappelle que, OK, tu as l'armée, tu as le territoire, défense territoriale, mais tu as dans chaque quartier, tu as encore des défenses territoriales qui sont pas formalisées, qui ne sont pas intégrées dans la défense territoriale officielle, mais les gens avec des kalachnikovs qui patrouillent des rues. De l'autre côté, on a vu, on a voyagé dans les villages autour de Kiev, et on a parlé avec des maires de ces villages, des starostes. Et malheureusement, y a des histoires tragiques, comme avec Olga Sukhenka dans le village Motijin, qui était tué avec son fils et avec son mari il y a quelques jours avant que les Russes sont partis. Et c'est très tragique cette histoire parce que vraiment ils ont été tués à la fin des 25-26 mars, n'est-ce pas? Oui, et dans une semaine, les Russes sont partis. D'ailleurs, ils sont partis de la région de Kiev comme ça, dans 15 minutes. Voilà. Ils ont reçu un ordre de partir, ils sont partis. Mais on a parlé à plusieurs starostes qui sont restés pendant l'occupation. Et on a posé la question, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? 80% de la population de tel ou tel village est partie, s'est évacuée. Et il nous a dit, c'était à Bobrik, oui, il nous a dit, je ne vais pas laisser mon peuple,
l'a dit comme ça. Mes gens. Oui. Mes gens, oui. Au même peuple. Et je pense que c'est aussi très important de cette solidarité locale. C'est aussi sur les décisions prises localement, au niveau local, et je pense qu'on a déjà longuement discuté de cela. Ce qui est une des raisons de succès ukrainien au mois de fin février et mars, c'est-à-dire cette première grande bataille pour Kiev, qui était vraiment décisive, en fait, pour le sort de cette guerre, était qu'il y avait une... L'armée, bien sûr, se préparait. Après, on nous a dit que l'armée se préparait, mais quand même, c'était une grande surprise pour pas mal d'hommes, femmes politiques et pour la population que la guerre avait véritablement commencé. Et donc, cette capacité de s'organiser sans attendre des ordres qui vous proviennent d'en haut, que voilà, qu'on vous dise quoi faire, donc bien sûr, ça crée un chaos un peu pittoresque que tu décris avec vraiment deux types de défense territoriale dans le quartier de Podil, parce que justement il y a défense territoriale officielle et autre qui n'est pas officielle, et après il y a un corps armé, il y a tout le monde en uniforme, on ne comprend pas ce qui se passe. Et chaque village, elle a son propre checkpoint. Nous avons fait un chemin, traversé l'Ukraine après la première semaine de la guerre, et donc c'était hallucinant parce qu'on était arrêté à chaque kilomètre, parce que chaque localité avait son bloc poste, checkpoint, avec sa défense territoriale. Ils se croyaient vraiment tous les héros. Ils n'allaient pas aller passer les Russes. Donc, ils étaient préparés à tout avec deux kalachnikovs. Ils se changeaient des indications de route. Ils n'ont pas attendu, justement, que Zelensky ou qui que ce soit leur dise quoi faire. Donc, c'est-à-dire que... Et donc, la même chose après coup, bien sûr, après certaines analyses, nous avons vu ce qui se passait, par exemple, à Mouchtchoun. N'est-ce pas ? Mouchtchoun, c'est une... C'est un village au nord de Kiev, c'est là où une partie des troupes russes étaient arrêtées. C'est un village minuscule, complètement détruit. Mais c'est là il y avait quelques groupes mobiles, dynamiques, qui ont pu arrêter des Russes. Pourquoi ils ont fait ? Parce qu'ils ont aussi parce qu'il y avait cette initiative qui était autorisée. Et vous vous rappelez tous le moment où le moment d'une distribution des armes dans les rues de Kiev. Donc le pouvoir n'a pas eu peur de distribuer des armes comme ça dans la rue. C'est-à-dire que prenez voilà, l'initiative dans vos mains. Et ce que nous avons vu comme faiblesse du côté russe, c'est le contraire. On parle ici de la culture politique. Et ça revient à ça, en fait. C'est que c'est tellement centralisé que voilà, il y avait un ordre voilà, d'aller directement vers Kiev avec les colonnes de chars sur 60 km parce qu'il y avait quelqu'un qui était sûr que ça allait passer. Et donc, eux, ils n'avaient pas de possibilité de s'orienter sur place. Et donc, voilà, donc, les échecs militaires accumulés, ils s'expliquaient, notamment, je parle du mois de mars, par cela, par cette hiérarchie, par cette incapacité de s'orienter, par cette incapacité de prendre l'initiative. Et donc, d'ici, de cet exemple très concret, on vient à ce qu'on appelle les différences dans les cultures politiques ukrainiennes et russes, et qu'on nous, on a quand même tendance à interpréter comme une différence entre une culture plutôt décentralisée ukrainienne, voilà cette culture voilà de là on peut parler de Dragomanov par exemple, donc Vladimir va faire une parenthèse là-dessus, et on peut parler voilà de ce concept de pouvoir extrêmement centralisé et contrôlé d'un pays autoritaire, d'un régime autoritaire. Et on peut dire que, voilà, dans ce clash, dans cette rencontre, les démocraties et la décentralisation, ils ont des chances à gagner, parfois. Voilà, donc c'est un exemple, voilà, du mois de mars qui est très parlant. Oui, je pense que c'est aussi un signe pour les démocraties de l'Occident, parce que pendant une décennie dernière, je suis frappé par cet esprit... suicidaire un peu du discours démocratique sur lui-même. Donc cette autoflagellation, flagellation, d'accord, des démocraties qui disent bah, nous, les problèmes, on est en train de se dégrader, on est dans un état de dégradation, on perd la bataille contre la Chine, etc. Et j'ai vu cette tendance très, très dangereuse que de dire que finalement, la démocratie souffre de ses propres qualités. Et je pense que l'exemple ukrainien montre que dans une situation du combat entre l'autoritarisme et la démocratie,
démocratie efficace qui est basée sur l'idée de décentralisation, sur la responsabilité des individus et des communautés, a beaucoup de chance, en fait, précisément parce qu'il est plus adaptable, parce que vous avez plus de gens qui n'ont peur de n'ont pas peur de prise de responsabilité. Parlons peut-être de l'impérialisme russe, et peut-être on va terminer là-dessus et on va ouvrir le débat. On ne va pas monopoliser. Donc, j'ai une formule, c'est que la République, c'est, et je pense qu'on est dans, vraiment dans la lignée politique, dans la lignée de républicanisme en Ukraine, et par République, on comprend cette idée de res publica, c'est-à-dire la chose commune qui date des polis grecques et de la République romaine. Et la République, c'est une polité où il y a des frontières, mais n'a pas de centre. Il y a plusieurs centres. Tandis que l'Empire, c'est quelque chose qui a le centre, le seul centre, et n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'il existe par s'élargissant, qu'il a peur vraiment que si l'Empire ne s'élargisse pas, il va se contracter. Et je pense que les Russes sont maintenant dans cette situation de la peur que si ils ne s'élargissent pas par l'invasion, ils vont se contracter. Je pense que cette peur existe chez Poutine, dans son entourage. C'était aussi exprimé par ses idéologues, comme Surkov, Dugin et d'autres, que l'Empire doit être dynamique. Et je pense que cette idée de faire la guerre à la Géorgie, faire la guerre à l'Ukraine, c'est surtout produit par la peur de 3e, 4e Tchétchénie, etc. Donc c'est une exportation du chaos, c'est une exportation de la violence pour que la violence ne rentre pas au sein de l'Empire. Là, maintenant, ils sont en train de vraiment perdre cette guerre sur la ligne de front et ça pose une grande question. S'ils ne s'élargissent pas, est-ce qu'ils vont se contracter? Oui, c'est peut-être la question qui nous intéresse, puisqu'il va au fond, en fait, de l'avenir, en fait, au fond de notre préoccupation pour l'avenir. Oui, on a tendance d'oublier que la Russie reste un empire. Donc, et surtout, en Occident, on a tendance de dire que voilà, l'empire soviétique avait effondré en 91, alors c'était terminé. Et donc, voilà, ça s'est passé d'une manière paisible, correcte. La mort de Gorbatchev, il y a quelques semaines ou quelques mois, a fait, donc j'ai lu tous les articles de commémoration, de hommage à Gorbatchev, et vu de l'Occident, on a ressenti cela. Il était vu comme quelqu'un qui a permis à cet empire se décomposer sans qu'il y ait beaucoup de violence. On sait qu'il y avait des violences, quelque part, des violences peut-être pas si grandes dans les pays baltes, mais voilà, bon, grosso modo, c'était sans guerre civile, et c'était ça le grand mérite de Gorbatchev aux yeux des Occidentaux. Bien sûr que, dès la perspective ukrainienne, Gorbatchev n'était pas si bien que ça. Nous avons quand même un autre contexte, mais c'est pour dire qu'il y a très peu de compréhension. On sent que la Russie, et le problème, en fait, c'est que la Russie reste un empire, c'est donc le dernier empire en Europe, et c'est là que réside en fait le cœur, le problème en fait de cette guerre, puisque c'est en agitant comme empire que la Russie a ce sentiment de la faux sentiment, mais voilà, donc de toute puissance et surtout de l'impunité. Voilà, ce thème de l'impunité, on l'évoque à chaque instant, c'est que c'est ce thème qui était mis voilà, en premier plan par Valéry Zaloujny dans son article publié en été, voilà, cette impunité russe qui est là, parce que même sur le plan militaire, voilà, la Russie peut infliger les frappes par missile sur tout le territoire de l'Ukraine, tandis que nous, regardez, on demande des armements. Nos partenaires nous livrent des armements, mais ce ne sont jamais des armements qui sont paritaires. C'est-à-dire que ce n'est jamais des missiles à 2000 km, n'est-ce pas? C'est toujours des HIMARS qui sont super bien, mais qui sont à 70 km, à 5 km, voire plus. Parfois, il y a des accidents, on ne sait pas ce qui se passait, mais ce n'est jamais paritaire. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'impunité qui est là,
Et c'est lié au fait que la Russie se positionne et se sent comme un empire, en fait. Et donc, ça nous mène directement à la question qui nous intéresse. Quelle sera et comment est-ce qu'on peut envisager la fin de cette guerre? C'est la question qui est capitale. Et ce qu'on ne se lasse pas de dire que rien ne sera terminé, même si l'Ukraine arrive à libérer les territoires dans les frontières de 91, sans la flotte russe, bien sûr. C'est-à-dire que Crimée, Donetsk, Lugansk et tout ce qui était occupé. On peut, bien sûr, libérer les territoires, mais est-ce que la Russie cessera de bombarder le territoire ukrainien avec des missiles, à condition qu'ils vont continuer, bien sûr, à produire des missiles, c'est compliqué. Non, rien ne nous fait croire. Donc, ils peuvent continuer leur agression pendant des années, puisqu'il faut autre chose. La question est, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette guerre cesse et pour qu'il y ait le retour de la paix dans la région? Et donc, la réponse est que ce n'est pas une guerre pour des territoires, c'est une guerre pour le principe impérial, pour le principe impérial de l'élargissement possible. Donc, la Russie devrait cesser d'être un empire. Nous, on n'a pas de réponse. Comment peut-on faire? Et on sait déjà qu'il y ait, ce qu'on sent, qu'il y ait toujours cette... Tout de suite, il y a une peur de la part, une inquiétude plutôt, de la part de nos partenaires occidentaux, parce que personne ne veut concevoir un scénario où, justement, un pays qui a des armes nucléaires et qui sont un peu partout, en Russie, ils ne sont pas concentrés à Moscou, on sait qu'ils sont partout. Comment faire avec cela? Comment faire de la sorte qu'il y ait que cet empire disparaît, mais d'une manière contrôlée? Tout le monde veut contrôler la situation, contrôler comment faire. Et ces réponses-là, l'Ukraine, malheureusement, on n'est pas à l'échelle de donner des réponses. Nous, on est quand même dans la situation de ne pas pouvoir proposer de solution. Donc, cette solution, elle sera forcément collective. Et pour l'instant, les éléments de cette réponse nous manquent. Mais ce que nous inquiète, c'est que il y a quand même cette inquiétude que nous la sentons plus profonde que la volonté de terminer avec ce dernier empire. Donc cette inquiétude, pour l'instant, vous en direz, vous en savez peut-être plus que nous parce que vous êtes ici, mais nous avons l'impression que nos amis occidentaux ont peur d'envisager un scénario où il y aura un certain processus de disparition de cet empire. On termine là-dessus et on était très, serait très content de répondre à vos questions. Merci infiniment. Alors, merci pour votre témoignage. J'avais une question. Est-ce que vous pensez que l'OTAN a une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement avec la Russie et l'Ukraine? L'OTAN? Bon, c'est toujours un débat en Occident, je sais bien, mais regardons, disons, posons la question, pourquoi la Russie n'a pas attaqué Lituanie, Lettonie, Estonie et la Pologne? C'est parce que ce sont des pays membres de l'OTAN. Si on dit que, ok, c'est la responsabilité de l'OTAN de s'élargir, on veut dire par cela que, ok, ça serait bien pour l'OTAN de ne pas s'élargir. Et dans ce contexte-là, on peut projeter l'idée que, en fait, la Russie attaque d'autres pays de l'Europe de l'Est. C'est tout à fait possible, tout à fait probable. Une autre question, quand on dit bah la Russie s'élargit parce que elle répond au défi de l'OTAN, parce qu'il ne veut pas l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Je pose la question sur la Biélorussie. Pourquoi la Russie a occupé la Biélorussie, tandis que la Biélorussie n'a jamais dit qu'elle veut joindre l'OTAN? Donc je pense que l'élargissement de l'OTAN a contribué sur la sécurité en Europe orientale et pas diminué cette sécurité. Un exemple que je donne tout le temps, c'est que regardons les années 20, 1920, quand la dissolution de l'empire à Habsbourg et la dissolution de l'empire ottoman qui ont créé un vrai vacuum de sécurité, une vide de sécurité en Europe centrale.
Il y avait des penseurs très très lucides à cette époque. Un de ces penseurs s'appelle Richard von Coudenhove et Kalergi, qui est un auteur qui a donné cette idée à pan-européenne, finalement, qui était, je le considère, comme le père fondateur de l'Union européenne. Bien sûr, il a inspiré après la Seconde Guerre mondiale les gens comme Jean Monnet et Robert Schuman et d'autres, mais les idées principales étaient exprimées par lui dans 1922, je pense. Il a dit très clairement, alors, il y a un petit nombre des États qui se sont construits de ces empires ottomans et austro-hongroises. Ils vont être attaqués par des empires, l'empire germanique, qu'il a vu déjà en 1922, c'était la République de Weimar, et il a vu déjà cet esprit néo-impérial en Allemagne, et par l'empire russe. En 1922, c'était l'Union soviétique, Lénine et tout ça, donc rien n'a donné l'idée qu'on aura Staline, etc. Et il a dit dans ce texte, Pan-Europa 1922, que si on ne créait quelque chose, disons une unité des pays européens contre ces élargissements des empires, si on ne crée pas quelque chose de collectif, on aura la nouvelle partition de la Pologne. C'est ce qui s'est passé en 1939. Donc, pour comprendre, et pour moi ce texte est très important, et je pense que les manuels de l'histoire de l'Union européenne ne comprennent pas très souvent ces vraies fondations, parce que ce n'est pas l'idée de la communauté de charbon, blablabla. Je pense que ce sont vraiment les racines sont dans les années 20. Et je pense que l'élargissement de l'OTAN a joué le même rôle. Il n'a pas provoqué la Russie, parce que la Russie a vraiment... le traumatisme pour des Russes, c'est la perte dans la guerre froide. Ce qu'ils font maintenant, c'est de refaire, c'est de faire cette perte dans la guerre froide. Et si les pays de l'Europe orientale centrale n'était pas dans l'OTAN actuellement, on aura la guerre partout, pas seulement en Ukraine. Ok, merci. Je tiens juste une remarque que Volodymyr a brillamment expliquée. Je tiens à rappeler une chose. Voilà, donc on sent très souvent véhiculer cette idée que l'OTAN est en partie coupable parce que. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un élargissement qui allait trop loin à l'Est. Mais le problème, c'est qu'en fait, cet élargissement, et comme on le voit maintenant, son but n'était pas d'attaquer qui que ce soit. Et donc, c'était plutôt l'élargissement de protection. Et donc, l'Ukraine n'exprimait aucun avis explicite de rejoindre l'OTAN en 2014, quand la Crimée a été annexée, parce que en 2014, c'était Yanukovych venait de quitter le pays, donc on était absolument neutre, il n'y avait rien du tout. Donc c'est-à-dire que pour nous, donc vu de l'Ukraine, voilà, cette question, quand vous posez cette question, vu de l'Ukraine, c'est très clair. On n'est pas dans l'OTAN, il n'y a pas d'élargissement de l'OTAN, on est attaqué. Et donc c'est une leçon que nous avons apprise en 2014, parce que Crimée est prise, volée, et une partie de Donbass est occupée. Après, voilà, donc après, il n'y avait pas d'élargissement. Après, voilà, la propagande russe utilise trop souvent cet argument pour mettre la faute sur l'OTAN, voilà, pour dire que voilà, c'est eux qui nous ont provoqués. Mais écoutez, mais après, ils parlent des années 97. Là, dans leur ultimatum, dans l'ultimatum russe envers l'OTAN, il figurait les frontières de 97. La question est pourquoi vous attaquez l'Ukraine en 2022, pourquoi pas avant, pourquoi aujourd'hui? C'est-à-dire que là, avant, c'était bien, et là, maintenant, vous sentez que là, ça vous menace. Donc, après, pour nous, voilà, le statut neutre, et l'OTAN avait toujours le principe des portes ouvertes, et vu d'aujourd'hui,
On espère vraiment que l'Ukraine pourra entrer à l'OTAN, bien sûr après la guerre, dans un avenir proche, puisque autrement, il n'y a pas d'autre modèle de la sécurité après-guerre. Donc voilà, donc c'est une grande question. On comprend toute la complexité de la question, on comprend toute la complexité des réactions des Occidentaux. Aujourd'hui, envers cela, personne ne veut l'adhésion de l'Ukraine, et c'est peut-être même impossible pendant la guerre, mais on pense de l'intérieur de l'Ukraine qu'avec cette guerre, avec cette, voilà, cette, qu'on espère, victoire, on avait mérité quand même, on a largement contribué pour la sécurité du continent. Et donc c'est d'où en fait la solution. Aucun pays de l'Europe n'aurait pu faire face à la Russie, ni la France, ni l'Allemagne, ni n'importe quel autre pays tout seul ne pourra pas faire face à la Russie, à son état actuel. Donc la France, à la place de l'Ukraine, toute seule, sans l'OTAN, c'est vraiment une défaite en quelques jours. Pareil pour l'Allemagne. Donc désolé de le dire, mais en termes de l'arsenal, en termes de la sécurité qui est largement importée des États-Unis ici en Europe, donc il y a un seul modèle de sécurité qui marche, qui est possible, c'est le modèle collectif. Il n'y a pas de raison pourquoi l'Ukraine ne devrait être pas là après la guerre. Ça donne aussi nos, ça donne aussi, parce que c'est très, une question très importante, parce que c'est la question non pas sur le passé, mais sur l'avenir. Et on doit penser à l'avenir. Ok, imaginons la situation, la défaite russe sur la ligne de front, le changement, le bousculement du régime à Moscou, un chaos, un coup d'État ou je ne sais pas quoi, la mort de Poutine dans 30 ans. 30 jours. Mais ça peut être très vite. Donc on doit se préparer comme la dissolution de l'Union soviétique. Ça se fait en 3 jours. Donc quand l'histoire s'accélère, il faut agir très vite. Et un des scénarios peut être qu'il y a un chaos dans la politique intérieure russe. Ils s'en fichent de la guerre. Ils ne peuvent pas continuer la guerre. Qu'est-ce que nous faisons, l'Ukraine, les États-Unis, la France, etc., pour prévenir la guerre suivante? Et il y a deux solutions, parce qu'on connaît bien, on sait bien qu'en Russie, c'est possible qu'il y aura des revanchistes qui vont venir au pouvoir. On peut imaginer qu'il y a des démocrates qui viennent au pouvoir, mais à la Yeltsin, on ne sait pas quoi, mais après, il y a une revanche des forces impériales et le revanchisme pour, comme avec des guerres de Tchétchénie. Et on doit poser la question, comment éviter la guerre suivante? Et il y a deux options seulement. Soit l'Ukraine entre dans l'OTAN, soit l'Ukraine regagne le statut nucléaire. Il n'y a pas d'autre. Un troisième scénario évoqué, qu'il n'y a plus de la Russie telle qu'elle, donc ce n'est plus un si grand pays qui se décompose en quelques États souverains, qui sont une dizaine avec une population inférieure, avec les potentiels. Oui, mais ce n'est pas à nous de choisir, ce n'est pas à nous de décider là-dessus. C'est quelque chose. Je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire à Paris, à Washington, à Kiev, etc. Bon, il y a deux solutions. C'est très clair. Et vous pensez que c'est quoi le mieux? Ce serait de déléguer, on va dire, la sécurité de l'Ukraine à l'OTAN ou à l'Union européenne, ou d'avoir le pouvoir nucléaire? Moi, je préférais... En prenant en compte, bien sûr, tout ce qui se passe avec les pays qui sont, entre guillemets, souverains dans leur défense et dans leur économie, avec la problématique de la Commission européenne. Oui, bien sûr, je vais préférer la sécurité collective. Donc, parce que c'est aussi la question à nous. Si on reste un pays en danger tout le temps, ça va militariser notre société, ça va poser des questions pour la démocratie, etc. Donc c'est très difficile d'être dans la guerre tout le temps. Parce que maintenant, on a vraiment des problèmes à l'intérieur de l'Ukraine.
les questions de la liberté de presse, les questions du processus politique, etc. Donc la question de l'OTAN, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus, je suis un modeste philosophe, mais la question de l'OTAN, c'est est-ce qu'un pays renforce la sécurité des partenaires ou affaiblit la sécurité des partenaires? Donc je pense que c'est la question pour les pays de l'OTAN, parce que on part d'une hypothèse que l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN va affaiblir la sécurité, parce que ça va renforcer les chances de la guerre avec la Russie, tandis que peut-être le contraire est vrai, que ça va renforcer la sécurité parce que l'Ukraine a déjà une armée très forte, avec des gens, 700 000 personnes qui sont traînées, qui sont motivées et qui sont déjà entraînées avec des armes de l'OTAN et qui sont maintenant avec des standards de l'OTAN. Donc voilà. Voilà. Si jamais... Pardon, on va changer. Alors, une question de Céline Maranger. En fait, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette intervention très, très profonde et qui nous donne à voir aussi la vitalité de la société civile ukrainienne. On le savait déjà, mais là, les exemples que vous avez apportés, c'était très éloquent, j'ai trouvé. J'aurais deux questions rapides. La première, c'est que elle a trait à la capacité de résistance de la société. Depuis, vous l'avez très bien dit, la Russie, elle a fait face à l'armée russe a fait face à une succession de déconvenues militaires assez cinglantes, notamment en septembre, enfin depuis septembre. On voit que depuis de plus en plus, en tout cas depuis un mois et demi, ils mettent en place une stratégie de destruction totale jusqu'à épuisement. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans une guerre d'attrition. En fait, ils ciblent toutes les infrastructures civiles pour plonger le pays dans le noir et dans le froid et pour mettre à rude épreuve la société tout entière et plus seulement ils ont passé un cran, si vous voulez. Et donc, pour moi, la question se pose de savoir si ça va changer, d'abord peut-être l'état d'esprit des soldats sur le front, parce que c'est une chose de se battre quand on sait que sa famille est à l'abri, c'en est une autre. C'est quand même un paramètre qui entre en ligne de compte quand on pense que sa femme, ses enfants ou ses parents sont en train de mourir de froid ou de n'ont plus à manger, ça change un petit peu la donne. Et aussi l'état d'esprit dans la société tout entière. Quel est, à votre avis, le plus grand danger aujourd'hui la société ukrainienne va pouvoir conserver cette capacité de résistance liée à cette entraide et à cette organisation horizontale que vous avez très bien soulignée? Et si c'est possible... J'aimerais poser une deuxième question. Est-ce qu'on a le temps que... Oui. La deuxième question, elle est liée à l'état final recherché, en fait. Vous en avez parlé, le end goal. Et on a tous très bien compris et vous avez entièrement raison. L'objectif de l'Ukraine, c'est de reprendre le territoire dans son ensemble, c'est-à-dire dans les frontières de 1991, ce qui inclut non seulement les territoires récemment annexés du Sud, les territoires de DNR et LNR, mais aussi la Crimée. Et vous avez aussi bien montré que, de votre point de vue, il n'y aura pas de sécurité tant que la Russie ne renoncera pas à son projet impérial et au but de guerre qu'elle a énoncé depuis le début. Et c'est vrai que sur ces deux plans-là, ce qui en découle, parce que ce que vous avez montré, ce qui en découle, c'est que
il faudrait un démantèlement de la Russie, ou en tout cas, il faudrait que la Russie se désimpérialise, et qu'une des solutions envisagées pour favoriser la désimpérialisation, je ne sais pas comment dire ça, de la Russie, c'est de favoriser son démantèlement. Et ça, c'est clair qu'en Europe, en tout cas en France, il y a de grandes réticences par rapport à ce scénario-là. De mon point de vue, là, c'est vraiment à titre tout à fait personnel, ce serait une énorme source d'instabilité, et au premier chef pour l'Ukraine et pour les pays d'Europe orientale, pour la Pologne, pour les pays baltes, etc. Parce que je pense que ça créera des guerres à n'en plus finir pour des décennies, en fait. Voilà, donc moi j'ai une réserve par rapport à ça que je voulais soumettre à la discussion. Et je pense que c'est une question qui va aussi susciter de grandes frictions en Europe. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas du même avis sur cette question. Et ça risque de mettre à mal la cohésion européenne. Donc voilà, c'était. Et puis peut-être juste un commentaire. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'en fait, cette guerre, elle est liée aux représentations impériales de Vladimir Poutine. Mais il y a peut-être aussi d'autres choses qui peuvent l'expliquer. Et notamment la représentation que les Russes, enfin, en tout cas dans les milieux de la défense et les cercles stratégiques russes, la représentation qu'ils se font de la puissance et de la sécurité. C'est-à-dire que pour eux, la puissance implique la force et la domination. Oui. Ils ont pas du tout la même, on n'a pas du tout, c'est vraiment une différence fondamentale, je pense, avec les pays européens. C'est-à-dire que nous, en Europe et en Ukraine aussi certainement, la puissance, elle s'exprime à travers la capacité d'attraction, la capacité à exporter un modèle positif. Et eux, ils sont restés sous une notion de la puissance qui est très focalisée sur la force et la domination et le fait d'inspirer la peur. Et ça, je pense que c'est aussi lié à l'histoire de la répression, c'est-à-dire des répressions, en fait. C'est pas seulement lié à l'impérialisme, c'est aussi lié au trauma de l'histoire soviétique, voire de l'histoire plus ancienne. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Tu commences ? Pour je prends la question, voilà, donc c'est pour revenir à votre première question sur la résilience, sur la force de résistance, et ensuite on va élargir. On a aussi des questions sur dont on peut échanger. Donc, oui, en effet, la situation est extrêmement difficile, puisque on a beau dire qu'on pourra tenir à l'éternité, qu'on ne cédera jamais, qu'on est les gens de Sparte, ce n'est pas le cas, en fait. Puisque c'est vrai que la civilisation, ce que nous avons appris d'ailleurs très vite, en fait, même en février, là ça va encore plus vite, ça disparaît extrêmement vite. Puisque quand il n'y a pas d'électricité, si l'électricité revient, ça va. Mais si c'est vraiment le blackout total, et quand même on était très surpris de voir qu'en espace de un mois et demi, donc les premières frappes comme ça massives datent de 10 octobre, on est aujourd'hui de 25 novembre, un mois et demi, ils ont déjà réussi à ruiner, selon les estimations, 50% à peu près de, voilà, donc voire plus après les frappes d'avant-hier d'infrastructures électriques. Et ça, on peut faire un petit calcul et se dire où est-ce qu'on sera d'ici un mois et demi. Il y avait un effort, oui, il était là, des Européens, des Américains, de nous fournir de la défense aérienne, des systèmes. C'était un effort tout à fait remarquable, puisque nous avons vu le changement des statistiques. Si le 10 octobre, 50% des missiles russes ont été abattus par la défense aérienne, c'était 50. Aujourd'hui, et dans les frappes avant, c'était 80%. 80, peut-être même plus, mais 80%. Il reste toujours 20% de missiles qui arrivent, qui tombent. Grande question, combien de missiles a-t-elle la Russie aujourd'hui? C'est grande question, on n'est pas du tout l'expert militaire. J'écoute avec grand intérêt ce que disent les experts militaires. Ils nous assurent,
nous assure, nous on ne peut pas vérifier, nous assure que à la Russie, il leur reste des missiles pour encore peut-être 3-4 frappes massives comme ça. Peut-être c'est comme ça, peut-être il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais la chose est sûre, c'est que s'ils continuent à ce rythme, dans 2 mois, ils peuvent vraiment, vraiment ruiner tout le système d'électricité, de chauffage, etc. J'ai tombé hier sur une vidéo qui, dès leur show politique dans la télévision russe, peut-être que quelqu'un d'entre vous l'a vu. C'est incroyable. Ils sont là, des experts dans la chaîne des télés, à discuter, et puis ils disent très clairement, alors nous allons les détruire, nous allons les faire plonger dans l'eau noire, et donc ils le méritent, ils n'ont pas voulu comme ça. Donc, il faudra traduire ça en français, en anglais, en italien, pour diffuser, pour qu'il y ait quand même une compréhension de l'abîme où, en fait, ce régime et cette société avaient tombé. Puisqu'il évoque ces... Heureusement, peut-être pas pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de télévision. Il y avait des télévisions, mais il n'y avait pas, peut-être pas enregistré, mais des débats comme ça, c'est vraiment d'une bassesse incroyable. Donc, la question, est-ce qu'ils peuvent nous noyer dans le noir? Oui, ma réponse, étant donné que dans l'espace d'un mois et demi, ils ont déjà ruiné les moitiés, pourquoi vont-ils s'arrêter? Non, ils vont continuer. Deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il y a, bien sûr, un certain espoir pour que le système de la défense aérienne ukrainienne vont se renforcer encore. On parle de patriotes qui vont peut-être arriver en Pologne et peut-être que même plus loin que la Pologne. Peut-être qu'il y ait quand même une décision, et ça c'est une décision politique aussi, de faire tout le possible pour protéger, voilà, nous protéger de cette frappe de missiles, mais d'après ce que nous disent les experts militaires, il n'y a aucun système, aucun pays qui peut protéger à 100%. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des destructions, et la question, est-ce qu'on peut réparer plus vite qu'ils ne le détruisent? Donc c'est un peu aussi le jeu, nous on répare, après, une semaine après, c'est vraiment très ponctuel, ce sont des frappes hebdomadaires. Est-ce que nous allons arriver à réparer plus vite? Avant que... Ce sont des questions. Votre question portait sur la résistance et comment est-ce qu'on peut tenir. La réponse est très claire. Sans civilisation, on ne pourra pas tenir. Personne ne pourra tenir sans électricité à moins 10 degrés dehors. Toutes les familles avec les enfants, tout le monde va partir. On n'est pas des sauvages, on n'est pas d'accord de vivre dans les caves. On n'est pas obligé, on n'est pas dans une ville siégée. Malheureusement, ce scénario de blackout total quand il n'y a pas de chauffage de l'eau va avoir pour résultat concret des millions, pas des millions, mais des dizaines, des millions des Ukrainiens à la frontière avec l'Union européenne. Et donc, ça va créer une catastrophe humanitaire à l'intérieur de l'Union. Donc, c'est-à-dire que c'est dans l'intérêt de tout le monde, pas uniquement ukrainien, mais c'est aussi dans l'intérêt de tout le monde, l'Union européenne, de faire tout pour que ce scénario, il ne devienne pas la réalité. Pour cela, il faudra renforcer au plus vite, voilà, avec les systèmes de la défense aérienne, mais aussi... En même temps, de maintenir la pression, toute espèce de pression économique, politique. On se pose, c'est révoltant quand on est à l'intérieur de l'Ukraine de voir que la Russie est toujours au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais vraiment, c'est révoltant parce qu'on regarde ça, on se dit, mais écoutez, un pays qui fait cela, ils discutent cela dans leur show politique du soir à la télévision. Il n'y a pas de mécanisme civilisé, et donc il n'y a pas de mécanisme proposé par le monde civilisé pour les empêcher de le faire, même pour les chasser de l'Union. Donc il y a quand même des choses. Donc, il y a des choses à faire, il y a à protéger. Et ensuite, bien sûr, avec le système qu'on avait avant cette dernière frappe, moitié d'électricité, c'est-à-dire 4 heures avec, 4 heures sans, on pourra tenir. Même voilà, donc je pense que la majorité de la population, ils vont rester. Sans électricité, ni ukrainien, ni français, ni anglais, personne ne pourra tenir un hiver comme nous avons. Et donc, ça sera en fait la fin de l'Ukraine. Donc, d'où la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout faire pour empêcher ce scénario. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y aura pas la fin de l'Ukraine, jamais. Oui, mais... Donc, et je pense que... Bon, on a vu ces problèmes, on n'a pas vu la nouvelle vague de l'immigration. Kyiv reste une ville très peuplée, avec beaucoup de voitures, avec les embouteillages, etc. Donc, on voit que
La commodité la plus populaire en Ukraine maintenant, c'est un générateur électrique. À Brovary, quand il y a les coupes d'électricité, tu sors et tu vois que plusieurs cafés continuent à travailler et tu as ce bruit des générateurs électriques. Et c'est pour ça que, bien sûr, on peut penser à plus de générateurs dans le pays, plus de batteries électriques, plus de ça. Et bien sûr, il y a aussi la campagne. Donc, il y a plusieurs gens qui vont aller à la campagne, qui vont avoir le chauffage comme nous, par exemple. On a la Dacia, on s'est bien préparé avec le générateur, avec les bois, etc. Donc, la vraie question, je pense que, bien sûr, c'est la question de l'économie et c'est la question de l'eau. Imaginez-vous, vous êtes dans un bâtiment de 16 étages. Et il y a la neige. Hein, il y a la neige, oui. Oui, c'est ça. Donc, oui, tu veux dire que la neige va nous sauver. D'accord. Mais la question de l'eau, c'est la question de canalisation, c'est la question de l'hygiène, bien sûr. OK. Pour la question de décomposition de la Russie, d'abord, je pense que l'Europe qui a traversé la période de décolonisation doit aussi comprendre que c'est peut-être inévitable. Il n'y a pas ces mouvements-là aujourd'hui en Russie, c'est-à-dire que ça serait imposé de l'extérieur, enfin, on ne voit pas. Non, mais c'est, ça peut jamais imposer de l'extérieur. Et je vous donne juste un exemple. Au mois d'août 80, je suis toujours très très mal au chiffre. 80. 91. Non, 91. 1991, au mois d'août, quand il y avait la révolution à Moscou, Kiev était assez calme. Donc, et je rappelle que M. Bush, qui est venu à Kiev, qui a donné son Kiev Chicken Speech, donc il était absolument convaincu que l'Union soviétique va durer. Et finalement, l'Ukraine, en 1991, qui a voté pour Kravchuk, était un pays très, très post-soviétique. Donc l'histoire s'accélère parfois. Mais je donne une alternative. Alors, pour parler aux gens qui ont peur de la décomposition de la Russie. Surtout pour l'Europe orientale, hein. c'est parce que ça, les guerres, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. En fait. Après, je pense pas que c'est quelque chose qu'on a vraiment peur en Ukraine après tout cela. Donc c'est difficile. Ce sont des pays différents, mais où on voit pas le danger en fait. Ok. On en discute après. Donc, imaginons-nous, il y a la défaite militaire russe, il y a un coup d'État, il y a un changement du régime. Qu'est-ce que l'Occident dit à nouveaux dirigeants? D'abord, il faut changer la Constitution. Parce que, selon la législation russe, il y a des territoires qui appartiennent à l'Ukraine qui sont considérés comme les territoires russes. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc chaque argument qu'on ne peut pas aller intervenir dans les affaires intérieures russes pose cette question. Et sur la question de la Crimée, oui, ça peut faire la différence pour les Russes, ça ne fait pas la différence pour l'Ukraine. Et maintenant, il y a le sentiment de la société, si on peut libérer Kherson, pourquoi on ne peut pas libérer la Crimée? Donc, je pense que Poutine a fait tellement bêtises avec cette deuxième annexion. Avec le plus marrant, c'est Zaporizhzhia qui n'était pas contrôlé même par l'armée russe. Mais c'est vraiment une bombe. Comment te dire, une bombe de retardement, ouais. Parce que ça va créer un problème éternel. Parce que les Russes disent que ce sont des territoires occupés. Kherson, c'est un territoire russe occupé par des Ukrainiens. Zaporizhzhia, c'est un territoire russe occupé. Donc, bien sûr, il doit avoir
une discussion avec nouvel régime russe sur cela, sur les changements constitutionnels et tout cela. Deuxième, ce que je propose, c'est revenir au sens des mots. L'État s'appelle la Fédération russe. Il faut faire une vraie fédération. Donc avec plusieurs centres politiques, pas concentrer le pouvoir concentré en main de Poutine. Et finalement, c'est un projet. L'idée de fédéraliser l'Empire était l'idée née parmi des intellectuels ukrainiens au XIXe siècle, comme Drahomanov et d'autres. Et les Ukrainiens ont vécu avec cette idée jusqu'en 1917, que nous allons fédéraliser l'Empire russe, nous allons faire une sorte de des États fédéraux. Donc, je pense qu'on doit commencer à réfléchir là-dessus. Et votre troisième question était sur... sur quoi ? Ah, sur l'Empire, la puissance. Oui, je suis absolument d'accord. C'est qu'on peut vraiment expliquer cette guerre, mais je ne pense pas que c'est contradictoire. Je pense qu'on peut expliquer cette guerre par un certain climat de la violence qui existe dans la société russe. Et on a fait un podcast avec mon ami Peter Pomerantsev qui s'appelle « Russian Sadomasochism ». Donc le sadomasochisme russe, ça veut dire que c'est précisément parce que les gens souffrent de la violence domestique, de la violence sociale, parce qu'ils sont toujours dans les relations hiérarchiques, qu'ils veulent continuer à exporter cette violence à l'extérieur. Quand l'Ukraine réussit à les reprendre, que fait-on avec les gens là-bas qui subissent la propagande russe depuis, dans certains cas, presque 10 ans maintenant, et qui, enfin, il y a, comme vous le savez, donc, il y a certaines régions où presque tout le monde qui soutient l'Ukraine est déjà parti il y a longtemps. Que fait-on pour réintégrer ces gens enfin, qui ne regardent que Père Vitena depuis 10 ans dans la société ukrainienne après la reprise de ces territoires? On parle des Crimées ? Crimée et aussi le Donbass, enfin, la partie du Donbass qui est occupée. Oui, c'est une question très très difficile. Donc l'Ukraine doit être très prudente et aller. Donc il y a la question de la collaboration, bien sûr. Mais il faut être très prudent avec ce concept de collaboration. Donc. Et il faut donner le signe que les gens qui ont collaboré, c'est-à-dire dans les pouvoirs d'occupation, ils vont être persécutés par la loi. Et ça veut dire que peut-être, avant que les Ukrainiens viennent, ils vont partir. Ce qui s'est passé à Izium, ce qui s'est passé à Kherson, et d'autres. Avec Crimée, là, il y a grande question, qu'est-ce qu'on fait avec 500 000, je crois, Russes qui sont venus à partir de 2014, qui sont acquis l'immobilier, etc. Donc c'est une question qu'on doit poser tout le monde à l'échelle internationale aussi, parce qu'il faut savoir que les Ukrainiens doivent faire quelque chose avec ça. Parce qu'il y avait un changement démographique en Crimée, en l'est de l'Ukraine. Beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens de la Russie sont venus. Et c'est une tactique du régime russe soviétique en Crimée depuis très longtemps. Au début du XXe siècle, si vous regardez la carte ethnique de la Crimée, alors 90% sont des Tatars de Crimée, il y a des Grecs, il y a des Allemands. Il y a des Ukrainiens, pas vraiment beaucoup de Russes. Bon, bien sûr, ils ont changé la carte démographique. Alors, je n'ai pas de réponse à ces questions, finalement. Je comprends que ce sont des questions très, très difficiles. Mais bien sûr, il faut créer les conditions pour que les gens qui ont quitté l'Est de l'Ukraine, la Crimée, à partir de 2014, ils reviennent, ils participent dans le processus démocratique, ça c'est bien sûr très important. Juste une nuance aussi à ajouter, il y aura des questions juridiques aussi. Par exemple, en Crimée,
qui était annexé en 2014, il y avait pas mal de cas où il y avait des Russes qui venaient, qui s'achetaient par exemple des appartements, des maisons, et comme ce n'était pas reconnu par l'Ukraine, comme ce n'était jamais reconnu par l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est-à-dire que quand c'est libéré, alors qu'est-ce qu'on fait avec les actes juridiques qui ont été issus par un État voisin, par la Russie, n'est-ce pas? J'imagine qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais pas problème, mais c'est-à-dire cas de figure, parce que l'OTAN joue contre les solutions rapides, en fait. Mais il y a déjà la loi qui est rédigée sur la collaboration. Cette loi a été débattue. C'est une loi voilà, vivante, dans le sens qu'il y a quand même un débat. Est-ce que, par exemple, une enseignante, une institutrice à l'école, qui avait accepté de rester dans l'école, qui n'est pas partie et qui a accepté des manuels en russe, et si elle enseigne mathématiques, et si elle a fait ça pendant 8 mois à Kherson, est-ce que c'est collaboration ou pas? Donc il y a une loi, donc tout ceci, c'est une discussion qui doit se faire vraiment d'une manière très professionnelle, à part des criminels. Mais je pense que pour la Crimée, toute la population qui était là au moment de 2014, qui avait des passeports ukrainiens, même s'ils ont les brûlés ou cachés ou oubliés, ils ont été obligés ou ils ont voulu de prendre la citoyenneté russe, ils ont tous les droits de se renouveler comme citoyens ukrainiens, parce que c'est une question voilà, de ça. Ensuite, leur regard politique, leurs opinions politiques, c'est un autre débat. Et comment on l'a fait, comment on va l'intégrer, ça c'est encore pour des décennies. Mais la première question, juridiquement, ils ont le droit d'être là, contrairement aux Russes qui sont venus et qui sont achetés. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et bien sûr que la Crimée, la présence de la Crimée, tatare de Crimée doit être renforcée et reconnue en Crimée en fonction de la loi qui a été adoptée en 2015 ou 2016, déjà après la de facto annexion. Mais les Tatars de Crimée doivent être chez eux en Crimée, parce que c'est un peuple autochtone, ils ont tous les droits, et nous devons reconnaître ces tragédies de 1944, quand ils étaient déportés. Donc voilà, Tatars de Crimée avec les Ukrainiens, bien sûr, mais ils ont tous les droits d'être là. Une autre question, il y avait deux autres questions. Je vous en prie, allez-y. Oui, je vous en prie. Oui, bien sûr. Ok, is it okay if I speak in English? Yes, okay. Okay, so just some thought I got after the question on NATO, and I feel like asking even this question is basically shifting the responsibility away from aggressor, so at least it makes me very uneasy, and I think it's really like dangerous way like of posing questions, especially after the war has been taking place for 9 months. So it's quite surprising, because like how can we blame somebody else? And also I don't understand this concept of provocation, like because Ukraine as well as France has the right to decide in which bloc to be, right? Like we have all freedom of choice, like as we are individuals of countries, so I don't understand personally why France can choose and Ukraine has to be under like influence of Russia if it doesn't want to be. I mean, it's like as Swiss people, right? Like if I don't want to be your friend, but I want to be somebody's elf friend, and then you just attack me in the street, like it just doesn't make any sense. And then of course, like I guess it's obvious, if Ukraine was already part of NATO, Russia would have never attacked it. And like about nuclear weapon, like we had it, but then like within Budapest memorandum, we just gave it up. And like what was promised to us, like that Ukrainian territorial integrity and sovereignty would be protected, like no one cared. And also like coming back to this concept of provocation, like so what is contrary? It's the policy of appeasement, right? So this is what the West also has been doing for 8 years since Crimea was annexed. And basically it's also ridiculous now to see that somebody in West Europe says that they are surprised that Russia attacked Ukraine, because actually Europe created this monster by this policy of appeasement. So yeah, thank you. This is a reaction.
We have nothing to add. This is just your reaction. No, I think that asking questions is okay. It's always okay. I think if there is this sentiment, I know I also dislike it enormously, like about provocation, etc. But we Ukrainians need to respond to it and look for arguments. This is also important. This is a work that we should be doing. And as for Budapest Memorandum, there is debate in Ukraine whether that nuclear weapons that we had was actually this full-fledged nuclear weapons or everything was kind of centered in Moscow. But I think the key question we should ask is really why we didn't get any guarantees. And this is primarily the fault of Americans and Brits, and in the first place, this was also a time bomb. And my reply is that actually, in the 90s, there was a silent understanding in the West that Soviet Union actually did not collapse; it should exist in a different form. And the way how, for example, the economies were privatized in Poland or Hungary when there is opening up, or Czech Republic, Czechoslovakia, then Czech Republic, Slovakia, that it was opening up to the Western businesses that entered this. Basically, what we now have in Poland and Hungary, it's the consequences of that, because there is another shadow of this, because I think these societies feel kind of that by letting the West European businesses into them, they kind of became a kind of secondary, right? But in our countries, Russia, Ukraine, Belarus, and post-Soviet countries, there was rather this silent agreement that who will make this economy capitalist? Who will privatize it? It will be the locals. The local party functionaries, the local criminals, the local businessmen, etc. And this created the oligarchy. So the oligarchy was created in our countries not only because we were so bad, but also because there was kind of a silent agreement that I think from the Western economies that we will not enter these countries that much. We will rather stop let's say, Slovakia-Ukrainian border. And then Belarus, Russia, and Ukraine went into different directions, because in Belarus and Russia, the KGB and the post-Soviet leaders decided to subjugate these oligarchs. And therefore, we had Putin and Lukashenko. In Ukraine, this oligarchization created very bad things, but it also created kind of a insurance against the monopolization of power. The only stupid hog that tried to monopolize power was Yanukovych, whose destiny we know. But in a sense, I think this idea that Soviet Union will continue to exist, and I think it existed basically until the Orange Revolution. Orange Revolution was the real end of the Soviet Union on our part. And then we had these tentatives to restore it. So I really think that Budapest Memorandum was a big, big mistake on the part of the Western powers. Il y avait une autre question. Alors, en fait, vous avez partiellement répondu, parce que ça allait dans le sens de la question de monsieur, c'était par rapport à la fin de la guerre et imaginons la victoire. Mais à l'intérieur des frontières de 91, qu'est-ce qui se passe effectivement? Vous avez partiellement répondu en disant. Celles et ceux qui auront collaboré, on peut définir ça correctement, mais ça peut aider à résoudre la situation de ces personnes-là. Les personnes venues de Russie, en Crimée notamment, il y a des situations, voilà, je dirais pas, mais c'est une population que vous pouvez identifier. Maintenant, est-ce que, s'agissant d'Ukrainiens qui n'auront pas collaboré, mais qui pourraient malgré tout avoir eu un regard différencié, un regard qui ne correspond pas au récit que vous présentez, que nous-mêmes nous avons et que nous partageons. Je veux pour ça
donner quelques petits éléments. On voit nous dans la presse française, alors je ne prendrai que des exemples dans le domaine, donc je crois pouvoir penser que c'est un journalisme fait de manière très professionnelle. On a parfois dans certains témoignages, dans certains récits, on voit des populations qui ont un regard très, très ambivalent sur la situation, qui, même des populations sous les bombes, qui livrent des témoignages, genre oui, on ne sait pas qui a fait ça, enfin, on ne sait pas qui est responsable, on ne sait pas. Voilà. Il y avait il y a quelques jours une journaliste de l'AFP qui revenait d'Ukraine et qui livrait ça, qui disait attention, une vraie unité, bien évidemment. Ça ne contredit en rien tout ce que vous disiez, mais ça pointait des faits. Attention, ce n'est pas toute la réalité. Et à titre personnel, j'ai des témoignages de personnes réfugiées en France qui me disent, et je ne sais pas comment interpréter leurs propos, c'est pour ça que je le livre, qui me disent, qui viennent de l'Est de l'Ukraine, qui disent, on ne sait pas comment on pourra rentrer parce qu'on ne sait pas comment on sera perçu. Elles me disent, on a peur d'être filtrées, je ne sais pas ce qu'elles ont en fait quand elles prononcent ce mot-là, je ne sais pas si la traduction est la bonne, si on utilise le traducteur automatique. Donc voilà, je voudrais juste poser cette question de percevez-vous un très grand défi aussi dans la paix pour l'Ukraine, pour son propre peuple, dans la reconstruction de ce pays, de sa démocratie, parce que je ne suis pas du tout expert, moi je suis citoyen de base, je me suis un peu documenté comme tout le monde ces derniers mois. Je crois que, comme toute société, c'est une société marquée aussi par des clivages, par son histoire. Et est-ce que cette période va plutôt retisser des liens, ou est-ce qu'on ne peut pas être à la fin, peut-être pas, le fait que ce clivage soit renforcé en quelque sorte et encore plus dur demain à faire vivre. Oui, merci beaucoup pour cette question, parce que là, en fait, voilà, elle touche à la réalité des choses. Et on est très loin de dire qu'il y a un seul récit sur ce qui se passe. Mais quand même, et bien sûr que nous avons aussi vu certaines réactions, pour vous donner un exemple, des gens qui rentraient à Saltivka, le quartier de Kharkiv, et qui disaient que cette année, ils ne vont pas aller à l'école, leur enfant ne va pas à l'école parce qu'ils vont attendre l'année prochaine, parce que la Russie va sans doute encore recapturer Kharkiv, alors c'est là, à l'école russe, qu'ils iront. Donc, tous cas de figure sont permis, donc il y a des gens comme ça, et on est très loin de nier ce qui se passe. Mais ce que, du point de vue voilà, de l'après-guerre, j'imagine que ça sera extrêmement difficile parce qu'on aura des centaines de milliers de différentes expériences. Imaginez une famille, par exemple, qui avait perdu quelqu'un, mari, enfant, lors de cette guerre militaire dans les fronts. Leur attitude envers... Imaginez ceux qui ont, par exemple, perdu leur maison, que ce soit à Kherson, à Kharkiv, etc., qui ont dû se réfugier, etc. Imaginez ceux qui sont partis, comme les gens que vous évoquez, qui ont peur de rentrer parce qu'ils pensent que leur opinion politique ne se correspond pas tout à fait à ce qu'ils pensent être le récit officiel. Encore, il est grand question s'il y a un récit officiel ou pas. La guerre, c'est un traumatisme énormissime pour toute la population et chacun l'éprouve et le traverse comme il peut et avec ce qu'il peut. Mais je pense qu'il serait fou de se dire que c'est quelque chose de problématique. Il est normal pour toute une société, que ce soit une société française par le temps de la paix, et d'autant plus c'est correct pour une société ukrainienne par le temps de la guerre ou après-guerre, que d'avoir des opinions divergentes, que d'avoir des mini-conflits aussi, d'essayer de traverser tout cela. On n'est jamais d'accord sur tout. D'ailleurs, c'est normal, d'ailleurs. En Ukraine, on n'est jamais d'accord sur tout. Il y a des gens qui pensent différemment. Et donc, il ne faut pas... ce que j'aime pas dans les articles que vous évoquez, je vois un peu ce que vous voulez dire. Les journalistes, ils font toujours attention à ce petit détail, voilà, qui rentre pas dans la ligne droite qu'on essaye de leur raconter. Ils sont prêtent l'oreille, c'est leur travail, ils doivent le faire. Ce que nous, les gens qui perçoivent cette information, ne devons pas faire, c'est d'exagérer et d'amplifier les détails et de les problématiser. C'est-à-dire que, oui, il y a des gens qui vont avoir, après cette guerre, des avis très divergents sur ce que se passait. Et ceci, directement après la guerre, et d'autant plus 20 ans après la guerre,
ou une génération après la guerre. Ça se passe toujours comme ça. On n'a jamais une seule mémoire nationale. Je pense que la France le connaît aussi, comme tout le pays. Il y a toujours, c'est toujours pluriel. Et simplement, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas le problématiser et rendre comme quelque chose qui nous empêchera de vivre ensemble, comme Ukrainiens. Nous allons continuer à vivre ceux qui vont survivre, parce que effectivement, c'est pas tout le monde qui va survivre jusqu'à la fin de la guerre. Tous qui vont survivre, on va essayer de se comprendre. Et puis nous, de notre côté, en tant que journaliste, en tant qu'auteur de podcast, nous allons bien sûr aborder ces sujets et faire tout le possible pour qu'il y ait quand même des compréhensions entre nous, puisqu'on n'a pas une autre société, on n'a pas un autre peuple, nous sommes tous ukrainiens, et donc nous allons, je pense, essayer de trouver un langage commun. Donc je ne veux pas gommer des différences, elles vont exister, mais justement, on va essayer d'apprendre à vivre avec toutes ces différences. Oui, j'ajouterais en rappelant que l'Ukraine a déjà expérience de déoccupation en 2014. Donc les villes comme Slaviansk, Kramatorsk ont été occupées, Mariupol. Et finalement, ce qu'on a eu après 2014, on a eu de la démocratie dans ces régions-là. Il y a beaucoup de gens pro-russes et il y a toujours des partis pro-russes qui gagnaient aux élections. Donc le vrai débat autour de Sloviansk, disons autour de 2019-2020, c'est qui des deux partis pro-russes, le bloc d'opposition ou la plateforme d'opposition, ce sont le bloc d'opposition, c'était Akhmetov, et la plateforme d'opposition, c'était Medvedchuk, qui va gagner aux élections. Medvedchuk et Boyko, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question que les citoyens ukrainiens ont posée, c'est pourquoi on est tellement souple par rapport aux gens qui sont du côté de l'État agresseur. Pourquoi je réponds ça? Pourquoi j'ai dit ça? Je pense qu'il y a une vraie différence par rapport avec l'armée russe qui occupe et qui laisse vraiment des centaines de personnes tuées, torturées, massacrées, et l'Ukraine qui après la déoccupation, tu vois, pendant des années, des partis pro-russes qui restent au pouvoir local. Et deuxième chose, c'est que comment on définit la victoire? Je pense que définir les victoires seulement dans les termes géographiques, géométriques, seulement dans les termes de frontières, ce n'est pas exact, parce que d'abord, ce n'est pas seulement les frontières de 91, parce qu'en 91, on a eu Sévastopol avec la flotte russe. Bien sûr, on veut se débarrasser de la flotte russe, donc on doit aller plus loin. Deuxièmement, bien sûr, ça doit être un pays transformé avec les vraies réformes de judiciaire, surtout, avec les vraies réformes de la lutte contre la corruption. Donc, et ça, il y a beaucoup de questions. Donc, le sentiment qu'on a maintenant, c'est que les meilleures personnes sont parties sur le front. Il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas. Donc, est-ce que l'Ukraine aura cette capacité de se tenir après la victoire, de vraiment construire une nouvelle société? Je pense que ce sont des questions qu'on se pose. Donc on n'est pas vraiment très idéalistique par rapport à la société ukrainienne. Il y a beaucoup de clivages, et ce sont, je suis d'accord avec Tania, ce sont plutôt des clivages de l'expérience que des idées. Je ne doute pas de la capacité des Ukrainiens de résister. Mais je pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait pendant la paix? Qu'est-ce qu'on fait quand l'ennemi est vaincu? Ça, ce sont des questions qu'on se pose, parce que la société ukrainienne est très décentralisée, parfois très anarchique, au bon sens du terme. Donc, il y aura beaucoup de problèmes aussi. Peut-être
peut-être une dernière question ou deux, parce qu'on a... On prend les deux, oui. Alors, Jean-Christophe, tu veux... Quand la guerre a commencé, pour nous, c'était une catastrophe, c'était l'arrêt de relations avec aussi les organismes russes avec lesquels on travaillait, des gens qui étaient contre la guerre, mais en Russie, donc c'était une première catastrophe, et peut-être parce que c'était une lecture récente, une image que j'ai eue qui me bouleversait, c'était Vladimir Grossman, juste après le siège. Il pense à une chose, essayer de retrouver sa mère en Ukraine. Vous savez qu'il suit l'armée soviétique, il arrive en Ukraine et qu'il va bien sûr découvrir que sa mère a été morte. Ma question c'est, voilà, on sait qu'il y a une quantité de familles qui est une partie en Russie, une partie en Ukraine. Est-ce que dans ce qui vous semble pouvoir faire, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire regardant les restes de familles en Russie où c'est... On ne sait même pas tellement ils ont été... Excusez-moi cette question lourde, mais... Oui. Oui, en fait, tout est lourd pendant la guerre, surtout voilà, pour des familles. Nous, on n'a pas cette expérience, on a plus de... Mais il y a quand même, bien sûr, que les rapports entre notre attitude envers les Russes qui ne sont pas dans cette guerre, bien sûr, a changé. Deux éléments, je vais faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'est pas d'accord qu'il soit dit que c'est une guerre de Poutine ou que c'est une guerre de Kremlin. Puisque ce n'est pas uniquement Poutine et Kremlin qui sont là, et on refuse en tant qu'Ukrainien de mettre toute la responsabilité sur le régime qui les a privés de leur liberté, qui leur a inculqué cette propagande. On refuse de les innocenter, je veux dire, les Russes qui sont en Russie, et même ceux qui n'ont pas pris les armes. Ça ne veut pas dire qu'on les considère tous coupables, non, ils ne sont pas coupables, mais ils portent leur part de la responsabilité historique pour ce qui se passe. Et donc, bien sûr que cette guerre, avec chaque jour que ça continue avec des nouvelles victimes, ça va jouer son rôle. On se pose beaucoup de questions, sur les manifs, quasi absentes, un peu présentes au départ, mais après pas absentes. On nous a expliqué que, mais regardez, il faut les comprendre, ils ont peur, etc. Le régime est très autoritaire. D'accord. Au mois de septembre, il y a une mobilisation dite partielle, mais elle est quasi totale, en fait. Il y a plus d'un million de Russes qui sont à l'étranger. Les hommes, ils sont en Turquie, ils sont en Mongolie, ils sont un peu partout. Mais pourquoi on ne voit pas des manifs contre la guerre? Donc, c'est-à-dire que, pour nous, donc les Ukrainiens, on comprend que c'est dans l'intérêt de la Russie citoyenne, des Russes comme citoyens, des gens normaux, qu'on gagne cette guerre. Mais il n'est pas juste que ce sont seulement les Ukrainiens qui paient le prix. C'est-à-dire que si nous, on n'a pas peur de prendre les armes et d'aller se combattre au front, on veut qu'il y ait un effort de l'autre côté. On comprend qu'eux ont peur, etc., mais qu'il y ait cet effort, ce destin politique. Ce destin, je veux dire, ce soit politique. Et c'est ça, c'est pour cela je pense que pendant au moins quelques générations, peut-être une ou deux générations après la guerre, il y aura des difficultés de parler avec les Russes, parce que dans le meilleur cas de figure, ils disent que oui, c'est un monstre, ce Poutine, mais qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes contre, mais ils le disent tout baissement, ils ne font rien. Et la guerre, c'est la situation, il faut agir, et nous leur reprochons de ne rien faire, et bien sûr que nous n'allons pas l'oublier, donc, parce qu'il ne s'agit pas de les reconnaître coupables, mais il s'agit de dire très justement qu'il y a une part des responsabilités dans leur silence, dans leur inaction, et dans leur espoir que les Ukrainiens maintenant vont tout changer pour nous. Après, je ne sais pas qui, Navalny ou autre, va sortir tout seul de prison, il va lui devenir leur nouveau tsar, et alors ils vont vivre correctement, les démocraties occidentales vont reconnaître leur pays, annuler les sanctions, ils vont voyager à Paris, à Londres, et tout ceci au prix de vie des Ukrainiens qui ont gagné cette guerre. La séance a été longue, on ne va pas abuser de votre générosité. Je vais juste dire un mot pour vous remercier et pour vous dire qu'en vous écoutant, le sentiment, c'est qu'on fait partie de la même famille, très profondément. Il y a une famille des démocraties, des républiques. Est-ce que nous, on en est digne actuellement? J'en sais rien. Mais vous l'êtes.
Et c'est extrêmement émouvant en fait de vous écouter parce que il y a ce sentiment d'incroyable familiarité et d'admiration, il faut bien dire, parce que c'est intelligent et émouvant à la fois. Un grand merci. 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 Juste ajouter, donc on laisse les flyers pour le podcast. Je laisse aussi des cartes pour notre site Ukraine World. On fait beaucoup de voyages volontaires pour aider aux gens. Vous pouvez aussi trouver sur le site l'information si vous voulez nous soutenir. Voilà, vous apprenez quelques-uns de vos amis.